Bonjour, coucou. Il fait chaud, il fait très très chaud. Ouais, la suite, Mirror's Edge Catalyst, ouais, c'est bien. Toujours des introductions très très officielles, enfin officielles, c'est pas officiel, mais très corporate. Pas du tout, totalement là, à l'encontre des introductions corporate. Ouais, mais on s'en carre, hein. On n'est pas là pour dire « Salut à tous !» Ouais, là, hein, donc... Ouais, je viens de shooter mon casque, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument pas de problème. Ok, donc des travaux ici, hein, on est bien, on est sur un chantier, on va couper je sais pas quoi... hein, des câbles, ça va être bien. Ça va être bien, nous on est envoyé, on y va, et puis voilà. On s'acquitte de notre dette, voyons. Voyons. Je vais où, là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je passe par là, moi? Ah, d'accord! Ok! Ah, mais je crois que le sens urbain est désactivé, ça doit être pour ça. Que j'ai pas capté la petite gouttière en angle. Wow. Attends, ça passe, là? Ça passe pas, là? Ça passe pas, ton histoire? Ah, voilà, faut passer par ici. Nanana, calme-toi. Arrête de t'accrocher à tout et n'importe quoi. Ça n'a plus de sens, voyons. Ouh, j'avais pas assez de vitesse. Bon, j'avais dit que je jouais... Mais je bloque sur quoi, là? Hé! Je suis bloqué par un truc. Ah, c'est trop bizarre. J'étais bloqué genre par la barre, là. C'est super chelou. Très, très étrange. Bon, peu importe. On va... Ça va bien se passer. Je suis confiant. Ne vous inquiétez pas. Je suis très confiant. Oui. Ah, tiens-toi. J'ai peur. Je vais chuter. Ça va être beau. Par là, non? Non, là-bas, ça ne m'intéresse pas des masses. Mais là, ça... Ok, je suis bloqué contre je ne sais quoi. Pourquoi je suis là, moi, en fait? Y'a quoi en bas? Non, mais c'est pas par là qu'il faut aller. Nanana, mais pourquoi? Ah, je peux. Je peux monter par là. Vas-y, on brigne tout. Vas-y, réactive le sens urbain, parce que là, je sais pas où faut aller. Non? Par là, on grimpe. En espérant que ça me fasse pas le bug. Non, c'est bon. J'ai pas été bloqué. Y'a quoi alors? Y'a des chauds. J'ai l'impression que cet amortisseur va causer de gros dégâts, non? Ouh. Mon impression est juste. Et les bosseurs qui seront là-dessous? Quoi, les bosseurs? C'est bien ce que je pensais. Je vais les faire sortir, Dogen. Une alerte au feu suffira. Comme tu veux. Demande-leur gentiment, ils s'en iront sans faire d'histoire. On est bien. Là, on est bien. Ça va m'emmener où, ton histoire, là? On dirait vraiment un chantier avec toujours quelqu'un qui gueule en fond. En même temps, c'est logique. Hein. T'as plutôt intérêt de gueuler. Hein. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fait des choses étranges. Elle a essayé de grimper par ce rebord, mais pourquoi t'as essayé de grimper par là? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je dois mal orienter le personnage, je pense, pour que ça la fasse grimper sur les mauvais recoins. I think. Wow, non, moi j'utilise pas celui-là. Hein. Ça, c'est un coup à se foutre dehors. C'est fermé? Attends, mais je dois aller... Oh là là! C'est la cage d'ascenseur. Aïe. J'aime pas tout ça. Ça va mal se passer. Oui. Ça, j'aime bien quand on va grimper sur des hauteurs. Le côté vertigineux.
Parce que tu sais que tu tombes, tu meurs, quoi. Après, c'est vrai que la mort est pas du tout punitive dans le jeu, mais bon, voilà, ça fait chier quand même. Puis moi, je passe pour un attardé, donc oui. Une certaine forme de punition. Qu'est-ce que ces trucs, c'est des néons? Pourquoi il y aurait des néons maintenant? Non, c'est quoi? C'est bizarre, ces trucs. Bon, bref. Oh, yeah, d'accord, ils ont déjà les computers, eux. Ouais, il y a le feu. Ouais, fuyez. On peut passer? Non, on peut pas passer. Ah, bah nickel. On arrive directement vers l'ascenseur. Kruger a beaucoup investi de réflexion avec Sylvain et Elysium. De toute façon, les jumelles Malus sont dans tous les coups fourrés. J'ai envoyé des émissaires tâter le terrain chez des associés de confiance. J'attends de leurs nouvelles dans quelques jours. J'ai vraiment hâte que nous mettions un mouchoir sur cet épisode regrettable. Face, y'a rien qui t'oblige à faire ça. Les plans, c'est bien assez comme dédommagement. Très très classe. De la valeur quand petit A, je les aurai. Et petit B, je les vendrai. T'en fais pas, Noah. Je m'amuse, là. Tous les bosseurs ont été évacués. Ouais, je m'amuse. S'il lui arrive quoi que ce soit, Dogen, vous serez foudrage, je n'en doute pas. Nous en avons déjà discuté, vous et moi. Oh. Quelle discussion. Noah ne t'a rien dit. Il y a 2 ans. Il est venu me voir après ton arrestation. Pas pourquoi ? Il m'a fait forte impression. Non, il m'a rien dit. Ça parle peu, un messager. Bah. Bah, dis donc. Bah, pendant que vous discutez, moi je fais des conneries, hein. Je vais finir par tomber, ça va être bien, hein. Me casser la margoulette, hein. La margoulette, hein. Wow. Attends, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Ah ouais, d'accord. Oh, ouais. Ah ouais, bah on est pas encore en haut, nous, hein. Easy. Je devrais vraiment pas dire ça. Je suis très très mal placé pour dire easy. Oh. Où il est cet amortisseur, machin chouette? Normalement juste devant toi. Ça? Très gros. Je dirais le mécanisme d'une horloge comtoise, mais en plus gros. Certes, mais c'est mieux de désigner les choses par leur vrai nom. À toi de le détacher maintenant. En principe, il y a 3 fixations. Une horloge comtoise? C'est quoi une horloge comtoise? Je dois être bête. Je sais pas. Allez! Ah, carrément. Ça me fait une pupus en plus. Très content. Ouais. Ouais, non, mais grimpe pas dessus quand tu fais péter un truc. Attends, non, je savais pas qu'il fallait retourner en arrière. Hop là. Non, mais c'est pas une bonne idée, en fait, de grimper sur un truc et que t'essayes de casser. Très honnêtement. Vrai de vrai. c'est pas pour rire, en fait. Vraiment, c'est une connerie. Je l'annonce. Allez hop, une pupuse de plus dans ma collection. J'en avais pas des comme ça en plus. Non mais arrête, pourquoi tu veux passer dessus là? Tu vois pas que c'est une connerie? Oh là là. Ah ça c'est mal fait. C'est pas trop synchronisé. Oulala, oulala. Lolo, lolo. On est bien là. On est très très bien. On va passer par là? Ouais, on passe par là. Allez. Ouh, ça, j'ai l'impression que ça fout un bordel ce truc. C'est d'un bordel sonore. J'ai l'impression que nos oreilles prennent cher. M'entendez-vous? Ah, une pupus. Défaut que nous avons en commun, parfois.
Face, profite du spectacle, mais pas trop longtemps. Au moment où je te parle, je suis sûr que Kruger Sec a déjà dépêché du monde pour enquêter sur ce petit accident. Ça va se passer. Ça va se passer. Ça se passe. Moi, elle me fait rire. Oh, mais je pensais pas. Dis que coco, tu pensais pas. On te demande de tout péter, Daniel. Attends, mais je passe par où, moi, là? Ah, moi, d'accord. Ouais. T'es pas terrible, non. Moi, prépare-toi. Ouais. Ah, je suis un assassin, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, prends l'ascenseur contre l'immobilier tout pété, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. Encore une fois. C'est très très classe tout ça. Après, si on l'a vu. Vache, on était où? Vache! Ah, avec l'immeuble cassé là-bas. Eh ben, ça part un peu vide là-bas. Hein. Un peu trop vide quand même. Ça va, on va pas commencer à critiquer là. Mais voyons, attends. Et c'est pas moi. Hein. Si là, pour le coup, c'est moi, j'avoue, j'ai tout cassé. Oh, une bébé. Je te tiens au courant pour les plans. Ensuite, on discutera peut-être d'un message que tu pourrais peut-être. Point de livraison. Non. Je voulais pas. C'était pas une pupusse. C'est une livraison. C'est une livraison, je suis limité par le temps, j'avais pas vu. Je suis dégoûté de ma vie. Je veux mourir. J'en ai marre. Je me hais. Ah! Elle est où ta livraison à la con? J'arrête pas de passer devant des pupus. J'en ai marre. Je voulais pas livrer. Ah non, mais je voulais trop pas faire ça. Merde. Aïe. Bon ben, je vais essayer tout de même de réussir ma livraison. Ça sera déjà ça, j'ai envie de dire. Hein? Ah d'accord. Non mais putain de merde! Espace, c'est pour ça, pas pour grimper contre le mur, voyons donc. Qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais n'importe quoi, là. Oh là. C'est là, j'espère que c'est par... Non, c'est par où? C'est par là? Oui, mais dis-moi. Mais bon Dieu du jeu, la con. J'aime pas les livraisons. Ah, bah, j'y arriverai pas, c'est dommage. J'étais pas loin, en plus, je crois. Ah bon, bon, bah, je suis bloqué, là, bon, c'est bien. Non, moi j'essaye que dalle. C'est que dalle, va bien mourir. Je déteste les livraisons, j'en ai rien à secouer. C'est de la merde. Ah si, ça te fait pex quoi, mais si je veux faire ça, je fais ça hors caméra. C'est bon, merde, arrêtez de me faire chier avec ces trucs. Ah, je suis blasé de ma vie là, d'avoir accepté une mission à la con comme ça. Ça me dégoûte. Alors, par la plastique, pris dans la toile. Alors, il y a une quête secondaire avec plastique. Sinon, il y a la quête principale qui est prise au piège, d'accord. Bon, on va faire la quête secondaire. On a un point de compétence. Donc, du coup, déplacement, important. Concentration plus tard, on s'en fout. Double course murale, ça, c'est bien. Glissade prolongée, on s'en fout. Efficacité escale. Ah, ça, je prends. Oh, merde. Mon portable qui... Ah, je suis désolé. Hop là. Merde, à la fin. Au revoir. Ok. Ça, c'est nickel. Donc, on va s'y rendre. C'est loin, c'est pas loin. Ah, mais attendez, on peut carrément stepper en fait. Pourquoi se prendre la tête? Parce que là, on vient de se prendre la tête avec une livraison à la con qui est complètement inutile, qui m'a rien rapporté parce qu'en plus, j'ai pas réussi à la faire parce que je suis stupide. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, ça pulse? Je pense qu'une de tes copines messagères s'est perdue. Quoi? Qui? Comment? Et pourquoi ce serait mon amie? Tu poses trop de questions.
Je ne sais pas qui c'est. Peut-être que tu la connais pas. Elle était en train d'élargir mon accès au métagrid comme toi. Mais on a perdu le contact. Donne-moi la position. Je vais aller voir. Je te l'envoie. Je suis désolée, Faith. Non, c'est pas ta faute. Oh, c'est bon, c'est pas parce qu'ils sont messagers les autres que c'est mes collègues, hein. Moi, je les connais pas. Et même si elle est morte, c'est pas grave. C'est un détail. Voyons donc. Je ne fais pas attention à mon prochain. On dirait limite un sauna ici avec la fumée, quand les vapeurs. Sa dernière position connue. J'ai intercepté des coms de Kruger Sec. Je les ai entendus parler d'une messagère piégée. Je parie que c'est elle. Le métagrid est vraiment une mine d'informations. Tu devrais entendre les conversations des familles. J'en entends pas mal qui s'inquiètent au sujet de réflexion, et d'autres qui pensent que Kruger va un peu trop loin. Ça fait deux fois que je me casse la gueule ici. Ça fait deux fois que je loupe la même marche quand même. J'ai l'impression que je la fais exprès. Alors c'est quoi le truc? Plastique a demandé à notre messagère de l'aider à étoffer son accès métagrid, mais cette dernière serait piégée et cernée par les forces de Kruger Sec et trouver le stratagème et aider-la à s'échapper. La messagère, pas le stratagème, qu'est-ce que je lis, moi? Là. Voyons donc. Kruger Sec aussi. Je peux peut-être relever l'alerte? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour contourner la directive ouverte, l'alarme doit transiter par un terminal d'alerte validé. Tu en as un tout près de toi. Tu peux aussi les attaquer franco, bien sûr. Mais c'est plus marrant, comme j'ai dit. Alors là... Comment dire? Aïe, je me casse la tête. Pour faire simple... Ah donc... Bah, je peux pas monter. Ah mais d'accord, c'est parce que je suis dessous le truc. Non, mais c'est logique. J'avais pas vu, c'est bon, je vais arrêter d'être mauvaise foi. C'est bon. Non, mais c'est bon. C'est ma bête, j'avais pas vu. Hein? Ces choses arrivent. Voilà. Je suis au terminal. Bien, je suis en train de m'infiltrer et c'est fait. Leur attaque est annulée. Ton ami n'a plus rien à craindre. Cette mission était nulle à chier. Voilà, c'est tout. Waouh! Tu peux aller dire à ton ami qu'elle est en sécurité. Mais c'est pas mon pote! Mais je m'en fiche, je sais pas qui c'est, moi! Moi, je veux la puce, je veux pas aller lui dire. Hey. Oh mon dieu. Non, mais c'est vrai que cette mission était pas terrible quand même. Faut bien l'avouer. Juste escalade 2-3 trucs. Plus rapidement que ce que je fais, parce que j'ai bien fait de la merde. Ça passe, là, si je fais ça? Ouais, nickel. T'appuies sur un écran et c'est fini. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Mais bon. Merde. Qui êtes-vous? Bonjour. Salut. Ne crains rien. Attends. Kruger Sec est parti. Tu es Faith, c'est ça? C'est Plastique qui t'envoie? Non. C'est ça. Arrête. J'ai cru que c'était la fin. Pas de soucis. Un de ces quatre. Mais t'es qui? Vous auriez pu faire des clins d'œil au prochain... Enfin, au précédent qui est le prochain... Enfin, merde. Vous auriez pu faire des clins d'œil à l'autre jeu Mirror's Edge. Mais là, non. C'est personne. Non, c'était vraiment une mission de merde. Bah, pour le coup... Non mais, c'est vrai que cette mission, en fait, si vous voulez, elle m'a vraiment marqué parce qu'elle est nulle à chier, elle a aucune utilité, aucun intérêt. Je trouve ça un petit peu dommage quand même. Oui, bon, c'est bon, voilà, il y a des choses que j'aime pas, voilà. Et ça en fait partie. Sinon, globalement, voilà, il y a peu de choses critiquables, je trouve, dans le jeu. Il y a des choses, s'ils le sont, autant le faire, hein. C'est bon, j'arrête pas de dire depuis le début que le jeu est magnifique, le jeu est trop bien, donc c'est bon, j'ai le droit, me jugez pas. Bah écoutez, on va directement faire une autre quête principale, c'est pas ce que je souhaitais faire. Trouver Icarus, d'accord, prise au piège. Ah ouais, mais du coup ça va s'enchaîner et ça risque d'être compliqué. Ouais, mais là la vidéo est très très courte, donc il faut bien qu'on fasse quelque chose. Double course murale, on va prendre ça. Ça va me débloquer des possibilités. Est-ce que j'aurais pas au pire du pire, voilà, au pire on va faire un truc pas très intéressant.
Donc si vous voulez vraiment voir la quête principale, je pense que cet épisode, on va rien faire d'autre. Je pense que je vais faire un noyau sécurisé, un ou deux. Je sais pas, on va juste en faire un, et puis après on s'arrêtera là. Donc si vous voulez voir de la quête principale, vous pouvez arrêter la vidéo immédiatement et attendre le prochain épisode, parce que là, je vais juste me faire un petit noyau sécurisé, puis après on s'arrêtera là pour cet épisode. Attendez, mais il y a une puce là, je l'avais pas vue. Ah ouais, mais c'est relou, faut faire des tours et tout, non. Non, on va pas ramasser la puce, hein. Tant pis. Je l'ai dit, on va pas prendre la peine de faire le jeu à 100% de toute manière. Attends, il y a des gens. Chut, ils sont en train de le taper. Ils sont pas très gentils. On va leur casser la gueule. Il y en a une autre. On embarque aussi. Allez. Ouais, allez, double bonus. Bam. Non, je suis déçu. Là, j'aurais pensé vraiment que le coup de pied aurait passé. Là, j'y ai cru. Là, vraiment, j'y ai cru. Jusqu'au bout. Même au moment où le coup de pied n'est pas passé, j'étais persuadé qu'il était passé. Je suis déçu de moi-même, là, pour le coup. Oh, c'est triste. Ça aurait dû passer. Non, mais voilà. Voilà, de la déception. La déception étant moi, de ce fait, on va se diriger vers un noyau sécurisé. On va péter la gueule aux gardes. Et on sera content. Voilà. Un petit peu de vengeance. Et vengeance de quoi? C'est juste toi qui t'es foiré. Oui, bon, ça va. Hein. Ça arrive à tout le monde. C'est pas un choix non plus. Wow. Oh, c'était chaud, ça, quand même. Ça, c'était chaud. Ouais, alors je regarde toujours un petit peu partout. C'est pas que je suis fou, des fois j'arrive vers une table, je regarde au milieu de la table, c'est pas que je suis fou, hein. C'est que j'essaye de regarder s'il n'y a pas des documents, des enregistrements à trouver, des puces et autres conneries. Il y a un mec qui se fait tabasser, mais je sais pas où il est. On va essayer de le trouver. J'adore les tuyaux violets comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Attendez, ils doivent être là-bas. Retourne-toi. Attendez. Ils sont où, ces cons? Ah, mais vous êtes là. Ah, merde, mais du coup, je l'ai pas sauvé. Ah, si. Non, il est pas mort. Oh, joli câlin. J'ai écrit une histoire d'amour, là. Ok, on va y aller. Leur position est très explicite. Oh la vache. Oui, je sais que c'est pas par là, mais bon, merde, là, on est parti pour faire une mission secondaire, donc on peut bien se permettre de ramasser 2-3 petites bricoles qui permettent d'XP notre personnage. Hein? Voilà. Je me justifie, c'est beau. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des ennemis? Ah, mais on est déjà arrivé. Waouh. Salut. Et mais là, c'est passé pourtant. T'es pas forcément très proche, hein. À force de faire des dashs dans tous les sens, le personnage, il est perdu, quoi. C'est rigolo, quand même. C'est rigolo. Si. J'ai dit être rigolo. La belle bleue. J'ai fait un petit peu de feu d'artifice, hein. Ça, c'est toujours plaisir. Mais je pars par où, là, mon machin truc bidule instinct, messager, tout ça. Des fois, il marche pas très bien. Mais. Bah. J'étais stuck en dessous. Je pouvais pas passer en dessous parce que c'était trop bas. Mais j'étais bloqué dedans. Trop marrant. Ça pourrait être frustrant, mais c'est bon, on va s'en remettre. Ça va. Mais bon. Le mec, il va dire 150 fois. C'est bon, ça va, ça arrive. Oh, bah, ça arrive beaucoup, là, quand même. Ouais. Oula, c'est pas un tuyau, ça. C'était plus un câble électrique étrange, on va dire. Ah non, mais j'ai cru que c'était l'angle. Pas du tout, c'est un gros tuyau. Voyons donc. C'est une gouttière, hein? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est qu'une gouttière, bon dieu de merde? Hein? C'est qui le bon dieu de merde? Ah, là, je le connais pas. Non. J'ai jamais entendu parler. Suicide? Eh bien non. Ça passe.
parfaitement. Une maîtrise sans pareil. On va dire ça. Enfin, ouais. Bon, c'est sans pareil, c'est sûr. Une maîtrise, c'est moins sûr. Y a des trucs là ? Non, y a rien. Pas bonjour. Il y a eu un accident à la Nancy Emporium. Un problème au niveau de l'amortisseur harmonique. Ah, le truc que j'ai. Non, j'ai rien fait moi. Pas le truc que j'ai. Bah, si, c'est vrai. Bah, j'avoue, j'ai tout cassé, c'était marrant. C'était rigolo. Écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. On a fait un petit noyau sécurisé, ça nous a fait pex un petit peu. Oh, on est presque au prochain niveau. Donc ça va, ça augmente assez rapidement, c'est cool. Donc, prochain épisode, on entamera directement la quête principale. Voilà, on fera la quête principale, tout simplement. Et puis voilà, on est content. Je regarde un truc. Quête prise au piège. La mission prise au piège. Donc ça, on peut tout augmenter. Ça, on peut l'augmenter. Ça, c'est quoi ? Sanctuaire, ok. Sanctuaire. Ok, d'accord. Donc ça débloquera pas d'autres caractéristiques. Donc on fera la quête principale. Ça nous fera PEC, ça nous fera gagner d'autres points supplémentaires. Donc sur ce, moi je m'arrête là. Parce que j'ai fait 3 sessions de record d'affilée avec le projecteur en sachant qu'il fait déjà chaud de base. Je décède de chaud. Est-ce que ça joue sur le fait que je joue comme une merde justement ? Pas du tout. C'est juste que je suis mauvais en fait. Ouais. Mais au revoir. À demain. Ouais.